La gauche européenne a décidé d'organiser ce meeting avant la chute des bourses. Mais ce qui est important de dire dans ce moment, c'est que la précarité et la chute des bourses sont la face et la couronne de la même monnaie. Et dans ce moment, les personnes essayent de comprendre comment il a été possible ça. Pourquoi ? La chute des bourses nous mène à la dépression générale de l'économie. La première est très simple. Pourquoi nous devons payer leurs dettes? Et la réponse est très simple aussi. Nous ne devons pas payer leurs dettes. Leurs dettes, c'est sa responsabilité. La responsabilité de la démocratie, ce n'est pas de prendre les dettes des banquiers, mais au contraire, de prendre la responsabilité sur le secteur financier. Pendant 30 ans, les gouvernements européens et américains ont dit aux travailleurs « Vos salaires, ce n'est pas nécessaire de les augmenter. On peut précariser le travail. » On peut surexploiter les immigrants. On peut faire tout ça parce que vous avez tout le crédit que vous voulez. Alors endettez-vous. Ça a été le message du capitalisme pendant les derniers 30 ans. Ils ont endetté tout le monde et finalement, ils sont endettés eux-mêmes avec nos paquets de dettes. Jouer sur le grand casino. C'est simplement intolérable qu'ils soient les travailleurs, les personnes, les hommes et les femmes qui payent des impôts, qui sauvent les banquiers. Ce n'est pas la façon juste de résoudre cette crise. Toutes les vérités des derniers 30 ans sont en faillite réellement. Ils ont dit à nos peuples qu'il n'y avait pas d'argent pour la sécurité sociale. C'était faux. Quand les banquiers ont nécessité de l'argent, de notre argent, l'argent, il y est, il est là. Ils nous ont dit que le marché était le seul remède au malaise du marché. On y voit. Quand le marché est frappé, les États interviennent pour sauver le marché. Ils ont appelé notre argent. Et ils nous ont laissés avec les anciens problèmes et les nouveaux problèmes. Ils ont dit que la régulation des marchés financiers doit être indépendante. Et ils nous ont dit finalement qu'il y avait une seule politique possible, leur politique possible. On voit aujourd'hui le résultat. C'est l'heure de la renaissance de la gauche. C'est l'heure. C'est l'heure de la renaissance contre la peur. La défaite et le mensonge. Premier point, le système financier doit être conçu comme un bien public. Il est indispensable que dans chaque pays européen, au moins un gros banque public peut déterminer quelle est la politique publique pour le financement de l'économie. Second point,
L'Europe doit avoir un gouvernement européen qui soumise à ses instructions la Banque centrale européenne. Et la principale question de la démocratie de ce moment, la plus urgente, c'est la baisse radicale des taux d'intérêt pour défendre le pouvoir d'achat des travailleurs et des familles. Quatrième, la défense du pouvoir d'achat. Pour la gauche, ce n'est pas seulement une question de justesse. C'est la seule clé pour sortir de la dépression. Cinquième point, toutes les opérations financières doivent être taxées. On doit fermer les offshores. On doit raconter, pas sur un impôt européen, pas sur nos impôts, mais sur un impôt sur le capital financier, les ressources nécessaires à la sortie de la crise. Sarkozy parle de la refondation du capitalisme. Nous, la gauche européenne, tous nous, devons parler de la refondation de l'Europe. J'appelle sérieusement, et avec ça je termine, à que les dirigeants syndicaux d'Europe discutent sérieusement la nécessité d'une marche européenne vers la Banque centrale européenne qui soit capable de dire quelle est la volonté de nos peuples dans ce cadre de crise.